Bonjour, salam alaikum, Zulflawan, bienvenue à l'émission Viens et vois. Pendant ces émissions, nous avons parlé du caractère de Dieu, nous avons parlé de Dieu qui a toujours pris l'initiative et qui a toujours cherché l'homme malgré son péché, malgré sa désobéissance. Alors, pendant l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous centrer, nous allons essayer de faire paraître un aspect de la qualité, je dirais, de Dieu au travers, bien sûr, bien entendu, de sa parole. Alors, nous allons le faire par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, mais aussi Dieu qui nous a donné des hommes et des femmes autour de nous pour nous aider. Et nous allons le faire donc avec la participation et l'aide de Meki. Bienvenue, Meki. Bonjour, Kader. Alors, Hassan, bienvenue. Bonjour, Kader. Et j'espère que tu vas nous aider aujourd'hui aussi. Hein? Et puis, Dalila, qui est à mes côtés. Alors, je commence à ne pas, à me sentir un peu perdu si tu n'es pas à côté de moi. Merci, Kader. Et bonjour, Kader. Alors, voilà. Avant de commencer, il est bien de demander à Dieu qui nous donne et qui nous fasse grâce de comprendre sa parole. Alors, si vous voulez bien, baissons nos têtes et implorons la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est une lumière pour nous, qui nous éclaire. Et c'est par ta parole, uniquement par ta parole, que nous comprenons ton caractère, que nous comprenons ce que tu es pour nous et ce que tu fais pour nous. On peut bien entendu par la nature comprendre que tu existes, on peut voir ta grandeur au travers de la nature, mais on peut te connaître personnellement au travers de ta parole. Merci, merci de nous aider et merci de nous accorder ta grâce et ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui parler de ce que la Bible appelle l'amitié de Dieu. Alors, j'ai été très, très étonné, j'ai été surpris, d'une bonne surprise, bien entendu, lorsque j'ai entendu pour la première fois l'amitié de Dieu. Alors, on va lire quelques passages. Oui, bien sûr. Hein, là où nous comprendrons, et puis je vous laisserai la parole afin que nous exprimiez et nous expliquiez ce sens de cette amitié de Dieu. Oui, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 à 15. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci. Alors, c'est en effet une surprise que Jésus le Maître puisse dire cela à ses disciples. Parce qu'il y avait une relation de maître à disciple. Mais Jésus pousse plus loin l'idée de ce rapprochement, mais aussi d'un rapprochement de cœur à cœur, jusqu'à dire « Vous êtes mes amis ». Si vous, et bien sûr, il y a toujours une condition à cela, puisqu'il dit si on se met à servir le Seigneur, si on obéit à ce qu'il nous demande. Voilà. Bien. Alors, avant de nous étaler, d'approfondir ce passage, est-ce qu'il y a d'autres passages dans la Bible où il est écrit où des personnes étaient amies de Dieu, où Dieu partageait son amitié avec les autres, avec les humains? Abraham était appelé ami de Dieu. Abraham, oui. Abraham était appelé ami de Dieu parce que Dieu s'était révélé à lui et parce qu'il avait cru à la révélation que Dieu lui avait faite. Il en est de même pour Moïse. Alors, quand on regarde l'amitié, dans le monde occidental, l'amitié a un sens où on vit une amitié différemment de l'amitié que nous avons connue en Afrique du Nord. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est que l'amitié, finalement, dans la vie de tous les jours, mais dans le sens profond de l'amitié? L'amitié, c'est
C'est la racine, c'est le radical du mot amour. Radical du mot, n'est-ce pas? Et l'amitié, donc, implique nos émotions, nos sentiments, notre être tout entier. Dans l'esprit de l'amitié, il y a l'idée de partage avec l'autre, un partage de cœur. Et on sait que l'autre ne nous trahira pas. Un vrai amitié, c'est comme ça. Et un texte dans les Proverbes, sauf erreur, dit « L'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se trouve un frère. Ça, oui. » Amen. Amen. Oui, je me rappelle très bien, dans notre village, j'ai une très très bonne relation avec mes frères. Alors, dans le village, quand on voit deux frères qui sont constamment ensemble, on dit ils sont comme des amis. Et lorsqu'on voit des amis qui sont constamment ensemble, on dit ils sont comme des frères. Oui. Donc, il y a la fraternité, il y a l'amitié. Dans ce texte que nous venons de lire, alors, le Seigneur Jésus a dit, et nous l'avons entendu lors des émissions précédentes, à la résurrection, il a dit, je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Alors, mon Père, votre Père, cela veut dire que nous sommes frères. En effet, frères dans la foi. Bien, alors, cette amitié de Jésus-Christ, en quoi consiste-t-elle? Elle est explicite, il n'y a pas de plus grand amour, de plus grand signe d'amitié, on pourrait paraphraser, que de donner sa vie pour ses amis. Alors, donc c'est le don de soi. Le don de soi. Le don de soi. Être prêt à consentir à un sacrifice pour un ami. Alors tout de suite, on pense à Jésus. On pense à l'exemple suprême, au modèle qu'est le Seigneur Jésus, qui par amour, nous dit la Bible, qui par amour s'est livré et s'est donné pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Vous vous rappelez peut-être un cantique, un chant sur les ailes de la foi, je crois. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt. Ne me demande pas de le chanter. Non. Juste pour le dire, quel ami fidèle et tendre. Oui. Alors. Mais ce qui, vas-y. Ce qui caractérise l'amitié, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à la pensée de l'autre. Je veux dire par là, c'est un privilège quand Dieu nous appelle ses amis, comme il l'a fait pour Abraham, comme pour Moïse et comme il le fait pour ses disciples. C'est un accès privilégié à la pensée de Dieu. C'est-à-dire, Dieu tient et met au courant ses porte-paroles, ses enfants, ses amis. Il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour Moïse, il le fait pour nous parce qu'il nous a tenus au courant de ce qu'il adviendra à la fin des temps. Ça me fait penser à un psaume. Oui, et d'ailleurs, je voudrais le citer pour vous et le lire. C'est « La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. » Alors, la pensée secrète de l'Éternel. Dans certaines traductions, il est écrit « L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. » Qui le craignent. Qui le craignent. Ouais. Même, c'est d'ailleurs un chant. « L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. » Oui. Qui reprend justement ouais, ce verset. Qui reprend exactement ce verset, oui. Alors, est-ce que vous avez des amis en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur? Oui, moi j'en ai dans la communauté locale. Et pour un pasteur, avoir un ami dans sa propre église ou des amis est un véritable privilège. Parce que avoir des amis, c'est avoir la liberté d'être réellement ce que l'on est et ne pas se confiner dans un rôle. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai de vrais amis, amitié qui, de temps à autre, a besoin d'être éprouvée, ou parfois il est besoin de se dire des choses
pas toujours très agréables, ouais. qui vont toucher véritablement à notre personne, à notre identité, mais le fruit est toujours plus excellent. Alors, mais qui ? On peut, j'en ai aussi, mais on peut avoir aussi des amis qui sont éloignés de nous en distance, géographiquement, mais garder toujours un bon contact avec eux. Même si on ne se voit pas toujours, ça existe, ce genre d'amitié. Et lorsqu'on se voit, eh bien, on en prend un plaisir et même on peut prendre beaucoup de temps pour raconter nos expériences et ce que l'on a pu vivre. Oui, je vais revenir au texte. C'est très bon, hein, ce que vous dites. Hein, je dis pas le contraire, hein, excusez-moi. Mais les paroles de Jésus sont tellement précieuses. Et il leur dit, vous êtes mes amis, si. Mais qui, tu le dis souvent, il y a toujours des conditions avec le Seigneur. Si, enfin toujours, en tous les cas, il nous demande, hein, en tant qu'amis, parce que l'amitié, ça se vit à deux. Si vous faites ce que je vous commande. Alors, ce que le Seigneur nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres. Voilà. Enfin, c'est simple. Oui. C'est très simple. Oui. C'est de reconnaître en l'autre sa valeur, sa qualité, et c'est de permettre à l'autre de grandir et de s'épanouir à notre contact. C'est aussi de ne pas, et de tout faire pour ne pas être un obstacle, une pierre d'achoppement. Voilà. Oui. Ce que signifie le sens de l'amitié et de l'amour dont Jésus parle. Alors, c'est d'appliquer aussi donc, le verset 1 Corinthiens 13, enfin le chapitre hein, qu'on connaît tous sur l'amour. Hein. L'amitié qui supporte tout, l'amitié... C'est l'amour qui supporte tout. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'amour lorsqu'on parle d'amitié? Oui, dans cet amour-là, c'est le même terme. C'est le même terme, amor. Amor, amour, amitié, ami. Ouais, c'est la même racine. Absolument. Parce que s'il n'y a pas d'amour, peut-on bâtir une amitié? Ça serait vivre une amitié. Une amitié. Il existe des amitiés superficielles. Hein, oui. Alors, dans ce cas, ce ne sont pas des amitiés. Pas du tout, c'est vrai. C'est plus une relation, dirons-nous, de copinage. Copinage. Et même de profit. Sans doute. Et c'est vrai. Et alors là, pour le coup, je veux rebondir sur ce que Meki vient de dire. C'est vrai que souvent, les relations sont des relations d'intérêt. Hélas. Et quand je dis cela, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur qui que ce soit, évidemment. Mais nous voyons bien, surtout dans nos sociétés modernes, techniciennes, riches, individualistes, égoïstes, que les relations sont souvent en réseau et que se retrouvent les gens qui se ressemblent, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Et la caractéristique de l'Église, et c'est dans mon expérience de pasteur, c'est d'avoir dans une même et seule communauté des PDG qui ont plus de 500 employés et des rémistes, des gens qui sont même illettrés, figurez-vous, des gens qui sont d'extraction modeste, et faire coexister, cohabiter tout cela ensemble. Et je le dis sans fausse modestie, on réussit plutôt bien et je m'en félicite. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, il y a un exemple d'un père qui disait à son fils, qui a remarqué que son fils avait ramené beaucoup de jeunes à la maison. Donc, à un moment donné, le père qui demandait à son fils, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Ah, mais l'autre, il lui dit, alors, ce sont mes amis. Alors, père lui dit, ok, c'est bon, ce sont tes amis, les amis de mon enfant, bon, je les accepte. Et puis, à un moment donné, il a dit à son fils, vers minuit, 1h du matin, il le réveilla et lui dit, va appeler l'un de tes amis parce que je suis vraiment dans un besoin de santé, donc il s'est passé quelque chose. Alors l'enfant, donc le fils, et qui commençait, il allait chez Jacques, il allait chez Ali, il allait chez Marco, il allait chez donc tous les amis qui venaient. Il n'y avait pas un seul ne s'est présenté dans la maison. Et quand il est revenu, il a dit, alors, il n'y a personne pour nous aider. Il a dit, non, mais pourtant tu m'as dit que ce sont tes amis.
Et puis il lui dit, alors, va chez X, hein, dans, disons Abdallah. Hein. Alors va chez Abdallah et tu lui dis que mon père a vraiment est dans une situation très très délicate. Est-ce que vous voulez venir l'aider? Alors Abdallah, dans un petit quart d'heure, parce qu'il n'habitait pas trop loin, il est venu vers 3 heures du matin. Alors il a dit à son fils, tu vois, combien d'amis t'en avais? Il a dit, je ne sais pas, 15, 20, personne n'est venu. Et puis il a dit, tu vois, je n'ai qu'un seul, c'est Abdallah. Alors, l'amitié est mon ami, il dit à son fils, l'amitié c'est celui qui partage tes douleurs. Hein? L'amitié, oui, c'est celui sur qui tu peux compter pendant les moments difficiles. Oui. Mais, alors, le Seigneur Jésus, on sait que lorsqu'il allait à... donc, il était en chemin sur la... Je dirais en chemin sur la croix. Hein, donc, et puis, quand ils l'ont arrêté, tous les disciples ont pris la fuite. Et pourtant, il les a appelés mes amis. Ça vous interpelle un petit peu, peut-être? Oui, oui, oui. Et ça m'interpelle positivement. Dans la mesure où Jésus sait, n'oublie jamais, ne perd jamais de vue de quelle pâte nous sommes faits, n'est-ce pas? Et cela rejoint la question que Jésus pose à Pierre au lendemain de sa résurrection. Pierre, m'aimes-tu? Il lui pose trois fois la question, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et c'est ce même Pierre qui se targuait, qui forfaronnait devant les autres disciples en disant, mais jamais je ne te renierai, je ne t'abandonnerai. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Je crois que cette amitié de Dieu est une amitié solide et qui permet à notre tour, et c'est l'objectif de Dieu pour nos vies, de nous apprendre les uns et les autres. Parce que cet amour ne peut être que pleinement vécu dans l'Église. Et cette relation que Dieu a avec chacun d'entre nous, nous pouvons la transposer et la vivre les uns vis-à-vis des autres. Et si, un jour, Kader, comme tu viens de l'indiquer, tu venais à me décevoir, à me blesser, ce serait l'heure de vérité pour notre amitié. Ouais. Et là, nous verrions quelle est la qualité de cette relation d'amour qui nous lie l'un à l'autre. Et nous sommes comme Dieu à une relation d'amitié solide avec chacun d'entre nous et nous invite à développer le même type de relation les uns avec les autres. Juste une petite précision, quand on comptabilise le nombre de fois dans le Nouveau Testament où il est question des uns et des autres, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, etc., etc., etc. C'est parce que dans le royaume de Dieu, tout est question de relationnel. Les Indiens d'Amazonie ont 80 manières différentes de parler de la pluie. Nous avons la pluie torrentielle, diluvienne. Nous avons quatre. Parce que pour les Indiens d'Amazon, la pluie est substantielle à leur existence. Les Inuits ont 60 manières différentes de parler de la neige. Parce que si demain ils n'ont plus de neige, ils disparaissent. Nous pouvons parler de la neige poudreuse, verglacée, nous pouvons décliner que deux, trois sortes. Dans la Bible, de la première à la dernière page, tout est question de relation entre Dieu et son peuple. Et la relation que nous avons les uns avec les autres est consubstantielle, elle est fondamentale à notre existence et à notre marche avec Dieu. En d'autres termes, il n'existe point de marche avec Dieu sans l'autre, sans les autres. Bien. Le Seigneur Jésus a posé une condition, hein, si vous faites ce que je vous dis. Hein, mais j'ai du mal à comprendre que le Seigneur Jésus, à un moment donné de ma vie, je trébuche, je tombe, hein, que je sois désobéissant, que ce soit volontairement ou involontairement, parce que je suis faible. Peut-être vous, vous êtes fort, mais moi, sincèrement, je suis très, très faible. Donc, est-ce qu'il me garde son amitié? Est-ce qu'il me garde comme ami? Parce que des fois, je me sens très, très, très près de lui. Oui, oui. Hein?
des fois trop près même, au point même de dire « Ah, je voulais vraiment le serrer ». Et d'autres fois, si je me sens si loin à cause d'une conduite, oui, je dirais causée par une désobéissance. Alors, j'aimerais dire, avant de continuer et répondre à cette question, qu'on n'est pas plus fort que l'un ou l'autre. L'important, c'est d'avoir une relation personnelle. Alors, à la question, si un jour, est-ce que je peux perdre l'amitié de Dieu ? Je crois que le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît parfaitement la motivation de notre cœur. Et si le fond du cœur est qu'on aime Dieu, malgré notre fragilité et notre faiblesse, Dieu ne se retire pas pour autant. Il est là pour essayer, comme on le disait dans bien d'autres émissions, qu'il nous éduque. Et il va nous aider. Si on l'aime, il va nous aider à ce que nous puissions garder cette relation de façon permanente. Mais il ne nous condamne pas et ne nous juge pas. Comme il dit dans un texte, si ton cœur t'accuse, moi je ne t'accuse pas. C'est pourquoi on a une relation avec lui qui est véritablement formidable. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de notre relation avec lui, mais plutôt de sa relation avec nous. Il est le garant, nous le dit garant. L'auteur de la lettre aux Hébreux, d'une alliance bien meilleure. Mais il faut quand même entretenir la relation, je pourrais rajouter. Absolument, et cela est de la responsabilité du disciple. Oui. Et comme Pierre, Jésus, plutôt que de nous condamner, de nous enfoncer un peu plus, vient nous chercher tôt ou tard là où nous sommes et y dépose le baume de la guérison. Alors, ça devient un tout petit peu une coutume de poser la question au niveau de l'Église. Il paraît qu'il y avait un pasteur hollandais qui travaillait dans une église en Espagne, et puis il est rentré pour des vacances, et il a appelé un collègue, donc un frère à lui, il lui a dit « Est-ce que tu peux assurer donc, la permanence pendant que je suis absent ?» Alors, pour un mois, donc il y avait 4 dimanches. Alors, la première fois, il a prêché. Deuxième fois, il a repris exactement le même prêche. Et la troisième fois, la même prédication. Et la quatrième fois, les anciens de l'Église se sont levés. Ils ont dit, bon, alors, il faut nous prêcher quelque chose de nouveau. Alors, il leur a dit, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous ai dit la première fois, donc c'est pas la peine que je vous raconte de quelque chose de nouveau. Donc, le but de sa prédication, c'est d'éduquer, d'aider à grandir dans la foi. Alors, dans l'Église, est-ce que vous n'avez pas l'intention, des fois, l'idée de vouloir répéter certaines prédications afin, justement, de développer cette amitié dans l'Église et avec Dieu? Juste, si tu veux répondre. Je t'en prie, Mickey. Il ne s'agit pas seulement le dimanche au culte que l'on va apporter une parole pour essayer d'encourager. Certes, on va essayer d'encourager et on ne doit pas se lasser de dire même les mêmes choses. Hein. Par contre, c'est l'important, ce qui est fondamental, c'est de vivre et d'être avec les gens de l'Église. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas et nous n'amenons pas les chrétiens à devenir des chrétiens du dimanche, ou s'ils vont que le dimanche, ça suffit. Non, et c'est d'amener une synergie, une interactivité de vie d'église, des gens par des invitations, par des enseignements, petits groupes, etc. Mais ce n'est pas que le dimanche. Mais nous allons dans cette direction pour aider les chrétiens entre eux à vivre cette relation, tant entre eux qu'avec le Seigneur. Bien, l'amitié, c'est entre deux parties, n'est-ce pas ? Toujours. Toujours. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'amitié... Isolée, oui. Ouais. Alors, comment vous expérimentez l'amitié dans l'Église ? Comment est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Je ne sais pas. Comment vivre cette amitié dans l'Église ? En fait, dans la réalité... Il faut faire la distinction entre deux réalités, celle de la fraternité et de l'amitié.
dans une église, difficile d'être ami avec tout le monde. Oui. À moins qu'on ait une église où il y a 4-5 personnes. Voilà. Mais quand on dépasse un certain seuil, c'est difficile d'avoir une relation vraie, authentique et approfondie et entretenue avec l'ensemble. Voilà. Donc, si on parle de la fraternité, alors là, bon, des valeurs telles que le respect, telles que la pondérance, la bienséance, user de prévenance les uns vis-à-vis des autres. Mais le meilleur remède à une bonne relation, c'est l'absence de tout jugement. Vous serez mesuré à la mesure dont vous avez mesuré. Pas de miséricorde pour qui n'a pas exercé la miséricorde. Et j'aime beaucoup cette expression d'Augustin qui dit que la miséricorde de Dieu, c'est la corde que Dieu lance à notre misère. Ne l'oublions jamais. C'est-à-dire que nous avons tous et nous sommes tous l'objet de la grâce de Dieu. Et dans nos relations, nous devons aussi faire preuve de grâce les uns vis-à-vis des autres. Oui, ne pas hésiter à en faire usage. Absolument. Bien. Alors, peut-être un dernier mot Depuis que Christ est entré dans ma vie, ce que j'ai expérimenté, cette relation avec lui, ça change tout. Et je peux dire à tous ceux et celles qui nous écoutent, ayez une relation de cœur avec Dieu et vous verrez que votre vie changera. Merci. Alors, je vous propose qu'on passe quelques secondes dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir révélé ton amitié envers nous. Des fois, on pense que c'est absurde, que c'est impossible que Dieu ait de l'amitié pour les hommes. Mais nous te rendons grâce parce que tu l'as voulu. Et tu as de l'amitié pour tous ceux qui s'approchent, qui t'acceptent dans leur vie. Merci. Alors, je lance un appel peut-être à celles et à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à profiter, à vivre de cette amitié que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Les mains de Dieu sont toujours tendues envers nous. Il n'y a presque jamais une mère qui refuse son fils. Ça arrive de temps en temps, mais avec Dieu, cela n'arrive jamais. Donc, chers frères, chères sœurs, chers amis, Dieu tend ses bras vers vous. Dieu vous aime et Dieu veut que vous rentriez dans son amitié. Alors, saisissez l'occasion. Frappez à la porte de Dieu et demandez-lui d'ouvrir. Sa porte est toujours ouverte. Merci de nous avoir suivis et merci à vous de nous avoir aidés. Merci. Dalila, merci. Et j'espère vous voir très prochainement par la grâce de Dieu. À bientôt. Au revoir. Au revoir.